Guria et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de cette journée. On y va, les amis, avec l'énergie dominante pour cette journée. Trop de cartes sont tombées. J'espère que vous allez bien, qu'il fait bon chez vous. Ici, il fait très bon. Profitons-en. Et on coupe. On coupe. J'ai voulu couper. Ah, alors là, les amis, on a la carte de la communication, la carte de l'imprévu. Je vais les garder. Et je vais en prendre une troisième. Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit en rapport avec un monsieur plus, ou une dame plus âgée. Ça parle des pas de maison de repos, de retraite. Voilà, je vais juste prendre une troisième ici, troisième carte, qui va nous donner les énergies de cette journée est la liberté, le poisson. Bon, donc ici, communication imprévue, liberté. Vous pouvez l'interpréter très facilement. Alors, peut-être qu'il y a des choix qui vont être faits. Moi ici, j'ai un ressenti pour le travail, par exemple. Donc, vous allez travailler. Là, au travail, vous allez peut-être... l'imprévu, c'est qu'on va peut-être vous offrir une opportunité. Une nouvelle opportunité de travail. Quelque chose qui va vous donner un peu plus de liberté. Qui va peut-être vous donner, je ne sais pas, un télétravail ou un job. Où vous allez peut-être vous sentir moins coincé aussi. Peut-être que la... Je crois que j'avais des tares. La liberté... la liberté ici, ça peut être aussi la joie, le sentiment de libération, de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas prévu et c'est grâce ou c'est à cause de la communication. Donc, vous allez entendre, vous allez parler, vous allez entendre parler, on va vous dire. Donc écoutez ce que l'on vous dit, écoutez ce que des personnes pourraient même se dire entre elles, parce que ce n'est pas pour être indiscret, mais c'est peut-être pour profiter d'une opportunité. Par exemple, vous allez entendre dire deux personnes, tiens, ce poste-là est vacant, et vous voulez justement, vous, ce poste-là, je ne sais pas pourquoi je parle de travail, ce n'est pas que pour le travail. Et boum, ben c'était vraiment pas prévu, mais vous allez quand même faire la demande et vous allez trouver, ce sera très positif. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui va arriver plutôt prévu. Peut-être que vous allez faire quelque chose, dire quelque chose, présenter un projet, quelque chose qui n'est pas prévu et qui va vous apporter quelque chose, qui va vous apporter... une liberté de l'esprit, mais aussi peut-être une liberté physique. Il y a peut-être une liberté physique, mentale. Voilà. En tout cas, c'est positif. Hein. Voilà, voilà. Alors, on va prendre nos petites cartes du tarot pour les énergies de la vie active et professionnelle, la vie côté sentimental et amoureux, amical. Côté matériel, financier et le dos de deck. Oh, les choses vont bouger. Regardez ici, faites un vœu, les amis. On a le 9 de coupe, donc faites un vœu. C'est le moment, c'est les choses qui se réalisent, les vœux réalisés ici. Hein. L'imprévu peut-être. Donc les vœux réalisés et avec le chevalier de bâton, ça bouge. C'est quelque chose qui va vous passionner. C'est quelque chose, c'est un changement rapide, ça peut être un déménagement aussi. En tout cas, les choses bougent, mais ça peut aussi parler de voyage éventuel. Mais ça bouge. Allez, on y va. Donc, ah,
j'ai peut-être mis un peu trop haut la caméra. Vie active et professionnelle, amoureuse, sentimentale, famille, etc. Côté matériel et financier. Et le dos de deck, on a l'impératrice. Donc ici, on est vraiment dans des énergies féminines. Donc ça peut être aussi des émotions, de l'intuition. Suivez votre intuition. Moi, je pense aussi que c'est quand même grâce aussi avec ces énergies-là qui sont ressorties, des choses qui vont arriver. Et je pense que ça va vraiment, vraiment vous toucher de très fort. Ça va vraiment avoir un gros impact. On a peut-être on a le cavalier de coupe, donc ici on est aussi dans des énergies d'amour. On reçoit... on vous demande aussi de vous aimer vous-même, éventuellement. Allez, oh, le 3 de bâton et le 4 d'épée. Alors là, les amis, vie... Et c'est marrant parce qu'on est quand même dans le côté professionnel ici, vie active et professionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Ce que vous attendez est en train d'arriver. Vous pouvez vous réveiller. Donc, alors peut-être ça, on vous dit... Ou alors vous avez peut-être encore besoin de vous reposer, de vous poser encore un petit peu. Mais là, vous pouvez vous réveiller. Vous pouvez maintenant vous dire que c'est bon. C'est bon, ça va bien évoluer. Ce que j'attends est en train d'arriver. C'est vraiment en train d'arriver, c'est imminent. On a quand même eu la carte du 9 de coupe avec le succès. On a ici de l'imprévu qui nous apporte de la liberté, l'impératrice qui nous donne des énergies très sensibles, hein, l'impératrice. Bon, on est vraiment... En tout cas, ici, c'est une bonne nouvelle par rapport au travail, par rapport aussi, alors oui, au travail ou la vie active, donc ce qui se passe dans la vie. Pas spécialement l'amour ni les finances, mais dans le reste de votre vie, de tout ce qui se passe à côté de ça. Donc, c'est la réussite. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui va arriver et vous allez pouvoir vous réveiller. Parce que pour le moment, on dirait que vous vivez un petit peu vraiment dans l'attente. Peut-être que c'est pour ça aussi que ça a bloqué, parce qu'on attend, on attend, on attend. Et quand on attend trop longtemps, ben, ça bloque. En fait, on bloque tout quand on attend. Donc, quand on y pense tout le temps, on bloque tout. Et là, miracle, quelque chose bouge, quelque chose se débloque et on va pouvoir enfin évoluer. Les choses vont bouger. Alors, il pourrait s'agir aussi de toute autre chose. Hein. Ça peut être votre mental. Donc, votre mental, vous allez pouvoir vous réveiller, vous allez pouvoir bouger parce que justement, la réussite est là. Si vous êtes dans une procédure peut-être judiciaire ou ben voilà, vous voyez le bout du tunnel en tout cas. Voilà, peu importe les énergies, vous allez voir le bout du tunnel ou vous allez voir qu'il y a une fin au tunnel. Vie amoureuse, sentimentale, relationnelle. Alors ici, hein, on doit faire un choix. Vous devez faire un choix. Difficile. Un choix difficile. Ça, ce sont des énergies de tromperie, de vol. On doit faire un choix. À mon avis, il y a un choix qui est difficile à faire parce que cela pourrait... il pourrait s'agir d'une personne qui vous a déjà trompé, qui vous a déjà volé, menti. Donc, je pense que soit une personne du passé, par exemple, pourrait venir vers vous, revenir vers vous. Et vous devez faire un choix. Est-ce que je la reprends? Est-ce que je le reprends? Est-ce qu'on recommence une aventure, une histoire? Et là, vous ne savez pas du tout. Mais vous pourriez aussi être dans le doute parce que cette personne, vous êtes aperçu de quelque chose et vous vous demandez, mais est-ce que cette personne m'a encore fait ceci ou est-ce que c'est cette personne qui m'a volé, qui m'a menti, qui m'a dupé, qui m'a trompé, et est-ce que c'est elle ou pas? En tout cas, vous êtes vraiment ici, vous vous posez des questions, c'est vraiment votre mental qui travaille, mais il y a un choix à faire, un choix très difficile, puisque vous ne voyez pas, vous ne savez pas, vous êtes un petit peu bloqué par
par la vue, donc vous devez vraiment faire à l'instinct. Et là, c'est compliqué parce que les épées ont le même poids, vous êtes mis de la même manière. Qu'est-ce que vous allez choisir? Vers où allez-vous aller? Mais ça concerne... Alors, si vous ne savez pas... cette carte pourrait aussi vous avertir. Tu vas faire un choix, mais attention, parce que c'est un choix. Tu vas choisir une personne qui n'est peut-être pas très honnête. Si c'est quelqu'un qui t'a déjà trompé, ben, fais ton choix peut-être en te disant ben, il ou elle me trompera encore. Ben, j'en sais rien, peut-être que non, mais bon. Je vais retirer une carte sur ça. On a le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, c'est un nouveau. Ah, ça pourrait être un partenariat ici. Donc, on pourrait éventuellement penser, tiens, vous voulez ouvrir un commerce et votre moitié vous dit, mais moi aussi, je veux travailler avec toi. Et là, vous ne savez pas trop parce que vous ne pouvez pas vous fier à l'honnêteté de cette personne. Et donc, mais parce qu'ici, j'ai la carte du partenariat, j'ai la carte d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Donc, on hésite certainement, mais on est quand même dans le côté sentimental. Donc, ça peut être un ami, une amie, ou vous allez faire quelque chose et on vous a demandé, votre meilleur ami ou votre meilleur ami vous a demandé, mais moi, je veux aussi être ton associé, puisque tu cherches un associé, je voudrais bien, moi, être ton associé. Mais là, vous êtes vraiment dans un gros dilemme parce que vous ne voulez pas que cette personne soit votre associé en affaires, parce que ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Donc, peut-être vous ne savez pas comment lui dire. Voilà. Mais en tout cas, on est quand même dans un nouveau départ. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui va commencer. Mais on vous dit vraiment, réfléchissez bien avant de prendre votre décision. Mais une décision doit être prise. Mais réfléchissez bien. Voilà. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Moi, je ne vous dis rien. Et puis, c'est un tirage général. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais réfléchissez quand même. Alors, côté matériel financier, on a l'ermite. Et le 9, ah bon, là pour certains, vous êtes dans les angoisses, vous vous tracassez, vous ne dormez plus, vous vous posez des questions par rapport à vos finances. Alors ça peut être par rapport à vos finances actuelles, ça peut être par rapport à un crédit, ça peut être par rapport à comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir. Mais il est possible aussi que ce soit, il y a quelque chose qui s'est, on a peut-être, il s'est passé peut-être quelque chose qui fait que maintenant vous vous tracassez parce que vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu un portefeuille avec de l'argent par exemple, puisqu'on est dans le côté matériel, hein. Matériel, finance, voilà. Donc il y a quelque chose qui ne va pas et qui vous empêche de dormir, qui vous angoisse. Mais on arrive à la fin, donc si ça fait un moment que ça dure, sachez qu'on arrive à la fin. Le 9, on arrive à la fin. Donc il y a encore un petit peu à attendre. Et puis après, ça va être terminé. Mais ici, on est quand même encore dans les épreuves, dans les angoisses. Mais on a notre ermite ici. Et notre ermite, c'est le sage. C'est la personne. Donc, on vous dit certainement de regarder à l'intérieur de vous, de réfléchir, de... Avant d'aller plus loin, avant de prendre peut-être des décisions, il faut que vous, soit peut-être vous allez prendre conseil. On vous dit, prenez conseil près d'une personne sage, un sage, une personne qui sait tout, une personne qui, ça c'est vraiment la personne qui vous apportera l'équilibre. Donc c'est la personne qui vous apportera l'équilibre ou c'est vous qui devez agir pour retrouver un équilibre. Mais je vais quand même retirer une carte, mais l'équilibre, vous allez le retrouver. Oui, c'est un conflit avec vous-même. On a quand même dans les épées, les pensées, c'est le mental. Donc, vous êtes en conflit avec vous-même ici. Voilà. Mais vous gagnez, d'accord? Vous gagnez le 5 de d'épée. Vous gagnez, mais à quel prix? On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs ici. Mais, donc, vous êtes dans les angoisses, vous vous tracassez, vous ne savez. Mais, vous gagnez. Vous gagnez et en même temps vous perdez autre chose. Mais il faut passer par là. Il faut passer par là. C'est un combat. Oh, encore, regardez.
on a encore le sac de bâton, donc on a le sac d'épée, on a le sac de bâton. Le sac de bâton, c'est aussi un conflit, mais ça peut être aussi ici une simulation. Mais enfin, on a deux sacs, donc on a vraiment, côté matériel, côté financier, pas pour tout le monde, ça c'est sûr, mais vous êtes vraiment en train de vous battre avec vous-même, avec vos pensées. Vous êtes vraiment dans un... Voilà, un peu perdu là. On est un peu perdu. Donc... Et il y a effectivement la mort, voilà, la carte de la mort ici. On est vraiment dans quelque chose qui va se terminer pour mieux recommencer. Donc ici, on va devoir peut-être faire un deuil. On va se dire, bon, maintenant c'est terminé. C'est trop dur, c'est trop difficile. C'est trop difficile, psychologiquement, physiquement, mentalement. C'est trop difficile. Je dois en prendre mon parti et je dois me dire, ben, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il y a une page qui se tourne, le livre ne se ferme pas, il continue, mais il faut savoir que je pense que pour certains, vous devez faire une croix sur quelque chose, cet aspect matériel, financier. Ça peut être aussi la perte d'un emploi, ça peut être un changement de travail. On va peut-être vous dire, voilà, tu dois aller travailler là-bas, donc ça va automatiquement vous demander des efforts ou déménagement, des changements. Mais pour moi, c'est pas vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment une bataille avec vous-même. C'est une bataille avec vous-même, vraiment. C'est dans votre tête, c'est dans votre cœur, mais dans votre tête surtout. C'est vos pensées qui vous mettent mal à l'aise. Ce sont vraiment vos pensées. Et grâce à cette carte, ben on sait que... Attendez, j'ai disparu. On sait qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin. Mais pour mieux ressusciter. Donc il y a autre chose qui est vraiment là. Donc je pense que pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, vous devez vraiment vous dire, bon, allez, c'est bon, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de pleurer sur mon sort. J'arrête de me battre finalement, parce que je gagne quand même, mais je ne gagne pas ce que je veux. Et j'arrête aussi peut-être de faire semblant, parce que peut-être que vous faites semblant pour montrer certaines choses à certaines personnes pour gagner. Et finalement, ça ne sert à rien. Donc, arrêtez de faire semblant, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous torturer. Dites-vous que voilà, écoutez le sage ici et dites-vous bien que lui, il va vous éclairer, il va vous montrer un autre chemin, effectivement. Mais ça, c'est vraiment, voilà, vous devez tourner une page pour aller de nouveau vers autre chose. Hein. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête définitivement du côté matériel, financier. Donc, il y a des solutions. J'ai envie de vous dire, si vous pensez qu'il n'y a pas de solution, il y a toujours des solutions. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des problèmes. C'est parce qu'il y a des solutions. Non. Mais donc ici, vraiment, vous pouvez vous dire, oui, ça va aller, on va trouver. Mais il faut que je fasse mon deuil, il faut que je tourne une page et que j'accepte de continuer autrement, de recommencer. Voilà. Ça va dépendre de chacun. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Financièrement, matériellement. C'est pas spécialement par rapport au travail, parce que c'est par rapport à l'argent ou à des biens. Peut-être que vous devez vendre une maison parce que vous devez payer des dettes, et là ça vous torture. Vous avez peut-être, il y a peut-être des conflits avec certaines personnes, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc acceptez-le, et puis après vous verrez que ça va aller. Mais c'est pas évident non plus. Voilà ce qu'il en est ici, pour moi, pour ces énergies de cette journée, les amis. Voilà, voilà. Je voudrais bien... Aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai envie de tirer trois petites cartes uniquement pour l'amour.
plus petit lavement du coup. Il y en a qui se sortent seuls. J'ai un endroit isolé. Bon, j'ai le vaisseau, j'ai la cigogne. Donc du côté amoureux ici, il y a des changements, des déménagements, des voyages, une grossesse. Il y a quelque chose qui me parle de votre maman, des énergies par rapport à votre maman. On n'entend plus. Allez, s'il vous plaît, une qui tombe, j'aimerais bien. On a l'encre. Donc on se stabilise ici. Au côté amoureux, on se stabilise. On va peut-être se poser, on va créer son nid. On va faire sa maison, on va faire son... On se pose et on s'ancre. Donc ici, les sentiments amoureux, ils vont vraiment... et ça va être solide, ça va être quelque chose de solide, ça va être quelque chose... Ce sont des sentiments sur lesquels, grâce auxquels vous allez bien évoluer et vous avez plein de choses positives dans votre vie. Mais peut-être aussi que vous devez vous stabiliser plus loin, que vous devez peut-être déménager. Vous devez peut-être partir. Vous devez aller jeter l'ancre ailleurs. Peut-être. Ça va vraiment dépendre de chacun. Mais vous trouverez une stabilité sur du long terme. Oui. Une vie de famille. Probablement. Alors, peut-être avec une personne d'une autre nationalité. Ou à l'étranger. Alors à l'étranger, ou alors si vous, beaucoup plus loin que chez vous, vous êtes actuellement dans une région plus loin. Pas à 10 minutes ou à 20 minutes de là où vous habitez, mais un autre département ou une autre région vraiment du pays. Mais vous allez vous ancrer. Donc ici, c'est positif. Dans le côté vraiment amoureux, on est dans un ancrage familial. On va construire sa famille, on construit son nid, si c'est déjà le cas, mais... Voilà, ça nous on confirme qu'il y a une stabilité. Mais sinon, oui, il y a garder espoir, c'est pour ceux qui n'en ont plus, garder espoir parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se stabilise. Et sinon, si tout va bien, eh ben, tant mieux, parce que ça va continuer à bien aller. Bon, allez, je vous... Ah, on a fait le oui ou non. Ah, ben, du coup, je vais prendre le Ur, le Normand, qui était dans la même pochette. Que ceci. Donc, allez, le oui ou le non. Alors, posez votre question, question fermée, qui demande un oui ou un non, qui aura un oui ou un non comme réponse, avec l'anneau, c'est oui, la croix, c'est non. Ça, c'est le lys. Allez, les amis. Oui ou non. Poisson. On va taper 13 cartes. D'abord, on fait la coupe. Et c'est le cavalier et le lys. Je prends le bouquet, je ne sais plus. Non, le lys. Allez. Allez, on y va avec... 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben c'est oui, les amis. Voilà, c'est oui. C'est marrant, on a eu le couple qui est sorti et puis j'ai eu l'enfant aussi. J'ai encore une fois le vaisseau. On part, on déménage. Vous voyez, on a aussi le cercueil, donc on fait une croix sur quelque chose, et on a encore quelque chose qu'on ne sait pas encore, ou qu'on n'a pas encore divulgué, ou qu'on ne connaît pas encore. Mais ça, ces cartes-là nous parlent vraiment de la même chose, des mêmes énergies que ce qu'il y a eu dans le tarot.
Voilà, enfin, c'est oui. Voilà, la réponse à votre question est oui. Si vous ne voulez pas le oui, vous ne le prenez pas et vous prenez le non. Voilà. Bon, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Ouf. Peut-être à demain, parce que parfois, je ne sais pas faire la vidéo. Voilà, donc je le fais si je peux. Et j'essaie, hein, mais voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.